c'est simplement le charret de fromage. Sur l'étage du haut, donc on a le fromage de chèvre de brebis. Et l'étage du bas, donc, sont consacrés au fromage uniquement au lait de vache. Donc on fait tout du Mont Blanc, on passe par l'Italie, la Suisse, et évidemment donc les fromages de proximité. Ici donc on va avoir les fromages de chèvre frais affinés, carrément pour les brebis. Les cendrés, ce sera pour le doux. Donc on a les cendrés brebis, les cendrés chèvres, un persil donc, de thym, c'est un fromage donc aux trois quarts chèvre, un quart vache, un bleu donc d'Eris origine, et une tomate de chèvre. Si nous partons en Italie, on va retrouver donc un tomino du Taleggio de la Fontina. Si nous allons en Suisse, une tomme vaudoise, de l'Etiva, et ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc après, donc les fromages de proximité, dont le reblochon fermier, évidemment, le Beaufort d'été, différentes tomes plus ou moins locales, un fromage de Tamiel, donc fait par les moines. Ici, vous retrouvez donc un fromage affiné au foin et donc différentes pâtes persillées donc pour retrouver toutes vos saveurs. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, madame?